Arpenter tous les jours ces collines en quête d'eau est une tâche quotidienne pour ces femmes éthiopiennes. Alors qu'elle est enceinte de 8 mois, Liku Alemu doit marcher 2 heures pour chercher l'eau du foyer. Les disputes éclatent souvent autour de ce puits, pourtant petit et boueux. Liku sait qu'elle doit y arriver de bonne heure pour espérer revenir avec le précieux liquide. Nous allons chercher l'eau ensemble avec ma belle-mère. Elle est vieille et je suis enceinte. Si je la laisse y aller toute seule, elle n'aura rien car la compétition est acharnée au puits. Et si j'y vais toute seule, dans mon état, je ne peux pas porter tous ces jerrycans. Donc, nous y allons ensemble. Plus au sud, la même histoire se répète. Ces femmes ne se déplacent qu'en groupe. Il serait trop imprudent de marcher seul dans ces champs où des attaques se sont déjà produites. En Afrique, ce sont les femmes et les filles qui sont chargées de trouver d'eau pour les foyers. De ce fait, elles ratent les opportunités de se scolariser ou d'exercer une activité. Nous avons beaucoup de problèmes d'eau. À la saison des pluies, c'est encore pire. Les villageois et le bétail rendent l'eau impropre en amont. La rivière est loin et je dois y aller avec mon enfant. Mais il n'y a pas d'autre endroit et pas d'autre choix que d'utiliser cette eau. L'Éthiopie n'est pas un cas isolé. Dans les zones rurales du Sénégal, les centres de santé ne peuvent pas fonctionner faute d'eau. Un défaut de planification que déplore Ngome Sao, accompagné de son petit-fils. C'est à cause du manque d'eau que le centre ne peut pas fonctionner. Il est fermé alors que nous avons besoin d'aide. Vous voyez vous-même, c'est fermé. Lorsqu'une femme doit accoucher, elle ne peut pas le faire ici alors qu'il n'y a qu'un centre de soins, mais il n'y a pas d'eau. Dans le village voisin, la famille d'Ngome a faim. Il n'y aura pas de déjeuner aujourd'hui. La nourriture est pourtant là, mais il n'y a pas d'eau pour la préparer. C'est là où on stocke l'eau, mais il n'y en a pas. J'ai envoyé ma petite fille train d'eau au village de Gandé tôt ce matin et elle n'est pas encore revenue. Mais voilà enfin sa petite fille. La charrette est un bon présage. Elle a pu acheter de l'eau. Le soulagement se lit sur les visages. Pour de nombreux enfants ici, l'école n'est plus qu'un vague souvenir. Trendo, 11 ans, a dû arrêter l'école pour aider sa famille à se fournir en eau. Ses journées sont consacrées à cette unique tâche. Elle n'a que peu de temps pour imaginer ce que pourrait être sa vie si elle était encore scolarisée. Dans certaines régions d'Afrique, 2 filles sur 3 ne vont pas à l'école. Au lieu de ça, elles vont chercher de l'eau. Dans d'autres villages sénégalais, l'abduction d'eau potable a changé la vie des villageois. Aminata Wad n'en revient toujours pas. Il y a quelques mois encore, elle passait des heures à marcher pour chercher le précieux liquide au puits. À présent, elle produit des vivres qu'elle vend au marché. Avoir cette eau à disposition, c'est très pratique. Nous pouvons laver notre linge, nos ustensiles, nous pouvons cuisiner et faire notre toilette, autant de choses qui posaient problème avant. Non seulement nous avons de l'eau, mais nous avons du temps pour gagner notre vie. Ceci n'est pas la seule source d'eau pour beaucoup. Au Burkina Faso, des puits creusés près des villages permettent aux femmes un accès à de l'eau propre pour leurs tâches domestiques. Un accès à une eau propre a également transformé les conditions de vie des éleveurs. Dans le village de Gandé, des milliers de têtes de bétail boivent l'eau pompée d'un puits. Amadoul a vu doubler son troupeau depuis la mise en service de ce puits et ses revenus, tirés de la vente de lait et de viande, ont considérablement augmenté. Nous arrivait de passer 2 nuits sur place sans une goutte d'eau. Le bétail en souffrait. Les bêtes perdaient du poids et beaucoup sont mortes de soif. Mais à présent, nos vaches sont en bonne santé. La disponibilité de l'eau dans les zones rurales a non seulement permis un accès à l'eau potable, mais a également fourni un moyen de subsistance à des vendeurs d'eau, ainsi qu'un coup de fouet aux commerces ruraux
qui dépendent de l'eau pour leurs opérations. En Afrique, faire ses besoins à ciel ouvert est une pratique courante, source de nombreuses maladies. Dans cette école d'Ndjozorobe à Madagascar, quelques 1000 élèves partagent une seule toilette. Quant à celui des enseignants, il a été emporté par le dernier cyclone. Ce cabinet de toilette ici est sale parce que nous n'avons pas d'eau. Il y a trop d'élèves qui l'utilisent. Nous avons besoin d'eau dans l'école et des toilettes. Afin d'améliorer les niveaux d'hygiène et d'assainissement des écoles et des villages, il est nécessaire de faire construire des toilettes écologiques qui sont faciles d'utilisation et qui réduisent les risques sanitaires liés à l'assainissement et les déchets humains. Indispensable pour le bétail, l'eau ne l'est pas moins pour les cultures et donc pour la sécurité alimentaire. Mais dans des zones régulièrement touchées par la sécheresse, comme au Burkina Faso, les fermiers peinent à irriguer leurs terres. Ce petit groupe d'agriculteurs s'est associé en coopérative, mais leur avenir est sombre. Le barrage dont ils dépendent est en train de s'assécher. L'eau est un vrai problème pour nous. Depuis que le barrage a été créé, il n'a pas été entretenu et les limons se sont accumulés, ce qui fait que le volume d'eau disponible a diminué. Cela va avoir des conséquences pour nos exploitations. Avec les conséquences du changement climatique, une planification en amont est impérative pour permettre aux populations de maintenir les activités et leur mode de vie. La construction d'infrastructures de stockage de l'eau est dès lors essentielle pour lutter contre les effets du changement climatique et mettre à disposition cette eau indispensable aux besoins des bases de communautés. Dans le village d'Amboa Nonoka à Madagascar, l'eau est disponible gratuitement, mais elle n'est pas potable. Les habitants doivent marcher une heure pour puiser une eau de source dévalant la colline. Razaka Swavina cultive du riz sur son exploitation de 40 hectares. Mais la prochaine récolte sera maigre comparée aux années précédentes. En cause, le barrage voisin qui a cédé et n'a pas été réparé. Cette manette-là est cassée. Nous avons tenté de réparer le barrage pour faire monter le niveau de l'eau, mais en vain. Développer le grand potentiel qui existe en Afrique en matière d'hydroélectricité et d'irrigation, un potentiel jusqu'ici peu exploité, est impératif afin d'assurer la sécurité énergétique et alimentaire. Dans certaines parties de l'Afrique, la rareté de l'eau n'est pas le principal problème. Le plus souvent, c'est l'absence de gestion cohérente qui est en jeu. L'Afrique n'abrite-t-elle pas 80 cours d'eau et certains des plus grands lacs du monde, quelques 38 bassins aquifères s'étendant sur plusieurs pays à la fois. Bref, autant d'immenses ressources très faiblement exploitées. Cette gestion chaotique, ajoutée aux effets du changement climatique, pose de réels problèmes de sécurité alimentaire. Et cet aspect de gestion intégrée est plus particulièrement accentué sur l'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire. Et dans ce cadre, plus particulièrement, tenant en compte des changements climatiques. Donc il y a aussi surtout la relation avec le secteur de l'environnement en matière de préservation des ressources en eau. Comment pouvons-nous accélérer le développement du secteur de l'eau en Afrique ? Renforcer la sécurité en eau et améliorer l'accès des populations à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires. La Banque africaine de développement, avec le soutien des gouvernements du continent, a mis sur pied deux initiatives complémentaires destinées à améliorer durablement le secteur de l'eau en Afrique. L'initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural a été lancée en 2003 en réponse aux objectifs du développement du millénaire. Elle a pour objectif d'encourager et faciliter les investissements durables dans les secteurs de l'approvisionnement en eau et les infrastructures sanitaires en Afrique rurale d'ici 2025. Aujourd'hui, 31 programmes sont en cours dans 23 pays. Fournissant un accès à l'eau à 33 millions de personnes, ainsi que l'assainissement à 21 millions de personnes.
La Facilité africaine de l'eau, une initiative du Conseil des ministres africains de l'eau, vise, quant à elle, à améliorer la sécurité en eau à travers une meilleure gestion des ressources du continent. La Facilité finance ainsi l'élaboration de projets afin d'attirer les investissements. Pour chaque dollar investi, la Facilité en attire 20 de plus. L'eau est à la croisée des chemins du développement économique, de la santé et de la sécurité alimentaire et énergétique. Mais elle est avant tout essentielle pour la vie. La collaboration de partenaires et des communautés pourra permettre la transformation de la vie de millions d'Africains et assurer une eau potable pour les générations à venir. Clean water means a healthy life for us. Allô l'Afrique, allô le Burkina. Ensemble, nous pouvons changer ça.